الآن أصدقائي سوف نبدأ بمجموعة من العبارات مستعملة بكلمة اليد. Des expressions avec le mot main. La première expression, donner un coup de main. Donner un coup de main, ça veut dire aider. يعني تقديم المساعدة. الآن عزيزي المشاهد استمع جيدا لهذه الجملة. Est-ce que tu as besoin d'un coup de main? Est-ce que tu as besoin d'un coup de main? Voilà la phrase. Est-ce que tu as besoin d'un coup de main? Ça veut dire est-ce que je peux t'aider? يعني بالعربية هل تحتاج إلى يد العون أو هل تحتاج إلى المساعدة؟ Est-ce que tu as besoin d'un coup de main? On peut dire aussi, tu veux un coup de main? Tu veux un coup de main? Tu veux un coup de main? هل تريد المساعدة? Tu veux un coup de main? عبارة أخرى, avoir un poil dans la main. Avoir un poil dans la main. تعني حرفيا أن يكون لديك شعر في اليد. Poil هو الشعر. Avoir un poil dans la main. ولكن المعنى الحقيقي هو être très paresseux. يعني أن يكون الشخص كسولا جدا. Être très paresseux. هي avoir un poil dans la main. سأعطيكم مثالا. استمع جيدا. Il n'est même pas venu nous aider à déménager. Il a vraiment un poil dans la main, celui-là. Je répète l'exemple. Il n'est même pas venu nous aider à déménager. Il a vraiment un poil dans la main, celui-là. Voilà la phrase. Il n'est même pas venu nous aider à déménager. Il a vraiment un poil dans la main, celui-là. En arabe, لم يأتي حتى لمساعدتنا على الرحيل. Le verbe déménager signifie يرحل. يعني الشخص الذي يرحل من مكان إلى آخر. Il a vraiment un poil dans la main, celui-là. يعني إنه حقا كسول هذا. لم يأتي حتى لمساعدتنا على الرحيل. إنه حقا كسول هذا. يعني هذا الشخص. Il n'est même pas venu nous aider à déménager. Il a vraiment un poil dans la main, celui-là. Une autre expression, changer de main. Changer de main, ça veut dire passer d'un propriétaire à un autre. Je répète, passer d'un propriétaire à un autre, يعني تعني بالعربية, يعني الانتقال من مالك إلى آخر. Propriétaire هو مالك, مالك شيء ما. Changer de main signifie تغيير الملكية. Voilà un exemple. Je n'ai pas remis les pieds dans ce restaurant depuis qu'il avait changé de main. Je répète. Je n'ai pas remis les pieds dans ce restaurant depuis qu'il avait changé de main. Voilà la phrase. Je n'ai pas remis les pieds dans ce restaurant depuis qu'il avait changé de main. تعني بالعربية. Je n'ai pas remis les pieds dans ce restaurant. تعني لم أعد إلى ذلك المطعم أو لم تطأ قدماي ذلك المطعم أو هذا المطعم عفوا. Depuis منذ qu'il avait changé de main منذ أن تم تغيير مالكه. لم تطأ قدماي هذا المطعم منذ أن تم تغيير مالكه. Je n'ai pas remis les pieds dans ce restaurant depuis qu'il avait changé de main. عبارة أخرى, avoir le cœur sur la main. Avoir le cœur sur la main signifie être généreux. Être généreux signifie en arabe, يعني أن تكون كريما أو سخي الشخص المعطاء. Avoir le cœur sur la main. سأعطيكم مثالا. استمع جيدا عزيزي المشاهد. حاول أن تفهم كما أقول بدون ترجمة. Je l'aime bien, non pas qu'il soit gentil, mais surtout il a le cœur sur la main.
Je répète, je l'aime bien, non pas qu'il soit gentil, mais surtout, il a le cœur sur la main. هل تمكنت من فهم هذه الجملة؟ نعم، je l'aime bien, non pas qu'il soit gentil, mais surtout, il a le cœur sur la main. Signifie en arabe, je l'aime bien, يعني أنا أحبه كثيرا, non pas qu'il soit gentil, ليس لأنه لطيف, mais surtout, il a le cœur sur la main, ولكن بالخصوص لأنه كريم أو سخي. أنا أحبه كثيرا ليس لأنه لطيف ولكن بالخصوص لأنه كريم. Je l'aime bien, non pas qu'il soit gentil, mais surtout il a le cœur sur la main. Une autre expression avec le mot main, mettre la main à la pâte. Mettre la main à la pâte. تعني حرفيا هي وضع اليد على العجين لاباط هي العجين ولكن الترجمه هي participer au travail collectif apporter son aide je répète participer au travail collectif apporter son aide يعني المشاركه في العمل الجماعي وتقديم المساعده voilà un exemple écoutez bien cet exemple sachez qu'à propos de la fête prévue pour la semaine prochaine Chaque participant doit mettre la main à la pâte pour pouvoir la réussir. Je répète, sachez qu'à propos de la fête prévue pour la semaine prochaine, chaque participant doit mettre la main à la pâte pour pouvoir la réussir. هل تمكنت عزيزي المشاهد من فهم هذه الجملة؟ أعلم أنها طويلة ولكن الغرض هو أن تتعودوا على السمع بالفرنسية وفهم بدون ترجمة هذه القضية مهمة جدا بالنسبة لي Voilà la phrase Sachez qu'à propos de la fête prévue pour la semaine prochaine Chaque participant doit mettre la main à la pâte pour pouvoir la réussir تعني بالعربية؟ Sachez qu'à propos de la fête prévue, هي اعلم أنه بالنسبة للحفل المخطط له. Prévu هي مخطط له. Pour la semaine prochaine, بالنسبة للأسبوع المقبل, chaque participant, كل مشارك, doit mettre la main à la pâte. يجب على كل مشارك المساعدة. كما قلت, mettre la main à la pâte, هي المشاركة والمساعدة. Pour pouvoir la réussir, حتى يتمكنوا من إنجاحها. سأعيد الجملة باللغة العربية. اعلم أنه بالنسبة للحفل المخطط له الأسبوع المقبل يجب على كل مشارك المساعدة حتى يتمكنوا من إنجاحها. Sachez qu'à propos de la fête prévue pour la semaine prochaine, chaque participant doit mettre la main à la pâte. Pour pouvoir la réussir. L'expression suivante, mettre la main à la poche. Mettre la main à la poche signifie en arabe wa tarjama al-harfiya hiya wada' al-yad fi al-jayb. Ça veut dire payer ou participer financièrement. Je répète, payer ou participer financièrement, تعني بالعربية الدفع payer يدفع ou participer ou المشاركة ماليا financièrement. Voilà un exemple. Notre voisin n'a pas assez d'argent pour payer les frais de son hospitalisation. Il va falloir mettre la main à la poche pour l'aider. Je répète. Notre voisin n'a pas assez d'argent pour payer les frais de son hospitalisation. Il va falloir mettre la main à la poche pour l'aider. Voilà la phrase. Notre voisin n'a pas assez d'argent pour payer les frais de son hospitalisation. Il va falloir mettre la main à la poche pour l'aider. Je vous explique en arabe. Notre voisin n'a pas assez d'argent
جارنا لا يملك المال الكافي pour payer les frais de son hospitalisation لدفع تكاليف العلاج في المستشفى. Il va falloir mettre la main à la poche pour l'aider. علينا أو يجب وضع اليد في الجيب لمساعدته. Notre voisin n'a pas assez d'argent pour payer les frais de son hospitalisation. Il va falloir mettre la main à la poche pour l'aider. Une autre expression, ça alors. Ça alors. Cette expression marque l'étonnement et la surprise. هذه العبارة تشير إلى الدهشة والمفاجأة. Ça alors signifie يعني رائع. Voilà un exemple. Ça alors, c'est incroyable. Comme ce garçon a grandi depuis la dernière fois que je l'ai vu. Ça alors, c'est incroyable. Comme ce garçon a grandi depuis la dernière fois que je l'ai vu. Voilà la phrase. Ça alors, c'est incroyable. Comme ce garçon a grandi depuis la dernière fois que je l'ai vu. En arabe, ra'a, إنه مدهش كيف كبر أو كيف نما هذا الولد أو هذا الصبي منذ أن رأيته آخر مرة. Ça alors, c'est incroyable. Comme ce garçon a grandi depuis la dernière fois que je l'ai vu. Une autre expression, baisser les bras. Baisser les bras signifie abandonner. Abandonner, yani yestesslimo. Voilà un exemple. Ne baisse pas les bras. Tu as presque terminé l'exercice. Ne baisse pas les bras. Tu as presque terminé l'exercice. Ne baisse pas les bras. Tu as presque terminé l'exercice. En arabe, la testeslim taqriban anhayt at-tamrin. Ne baisse pas les bras. Tu as presque terminé l'exercice. Mettre à la porte. Mettre à la porte, ça veut dire en français mettre dehors ou virer quelqu'un. تعني هذه العبارات استبعاد أحد ما أو طرد أحد ما من العمل. سأعطيكم مثالا. نادا est arrivé en retard au travail. Son patron l'a mise à la porte. Nada est arrivée en retard au travail. Son patron l'a mise à la porte. Bilarabia, Nada est arrivée en retard. Nada wasalat mutaakhira au travail, ani l'amel. Son patron, raisuha, l'a mise à la porte, yani taradaha. ندى وصلت متأخرة عن العمل طردها رئيسها. ندى est arrivé en retard au travail. Son patron l'a mise à la porte. Voilà un autre exemple. Cette entreprise est en faillite. Elle met ses employés à la porte un par un. Je répète l'exemple. Cette entreprise est en faillite. Elle met ses employés à la porte un par un. بالعربية, cette entreprise, هذه الشركة, est en faillite, يعني مفلسة. Elle met ses employés à la porte un par un. تقوم بطرد موظفيها واحدا تلو الآخر. Cette entreprise est en faillite. Elle met ses employés à la porte un par un. Une autre expression, prendre de haut. Prendre de haut. En français, parler à quelqu'un avec arrogance, avec un air supérieur. Parler à quelqu'un avec arrogance, avec un air supérieur, yani bil'arabiya, attahaddathu ila shakhsin ma bighatrasa aw bitakabbur. Je vous donne un exemple. Quand je suis allé voir mon responsable pour réclamer une augmentation de salaire, il m'a pris de haut. Quand je suis allé voir
mon responsable pour réclamer une augmentation de salaire. Il m'a pris de haut. بالعربية quand je suis allé عندما ذهبت voir mon responsable لمقابلة مديري أو مسؤولي pour réclamer les طلبي une augmentation de salaire زيادة في الراتب. Il m'a pris de haut نظر إلي بازدراء أو بغطرسة. Quand je suis allé voir mon responsable pour réclamer une augmentation de salaire, il m'a pris de haut. عبارة أخرى, se serrer la ceinture. Se serrer la ceinture, ça veut dire se priver de tout, même de nourriture, pour faire des économies. Je répète, se priver de tout, même de nourriture, pour faire des économies, يعني بالعربية الحرمان من كل شيء حتى الطعام لتوفير المال. Je vous donne un exemple. Avec la crise économique, il va falloir se serrer la ceinture. Avec la crise économique, il va falloir se serrer la ceinture. En arabe, avec la crise économique, يعني مع الأزمة الاقتصادية, il va falloir يتوجب أو سيتعين se serrer la ceinture, يعني التوفير. سيتعين علينا التوفير للادخار. مع الأزمة الاقتصادية سيتعين علينا التوفير. Avec la crise économique, il va falloir se serrer la ceinture. عبارة أخرى, faire quelque chose les yeux fermés. Faire quelque chose les yeux fermés, ça veut dire agir en toute confiance sans hésitation. Agir en toute confiance sans hésitation, يعني agir en toute confiance, يعني تصرف بثقة sans hésitation, يعني بدون تردد. Faire quelque chose les yeux fermés, يعني فعل شيء ما بعينين مغمضتين. Voilà un exemple. Tu peux faire tout ce qu'il dit les yeux fermés. Tu peux faire tout ce qu'il dit les yeux fermés. En arabe, tu peux faire يمكنك أن تفعل tout ce qu'il dit كل ما يقوله les yeux fermés يعني بعينين مغمضتين. يمكنك أن تفعل ما يقوله أو كل ما يقوله بعينين مغمضتين. Tu peux faire tout ce qu'il dit les yeux fermés. Une autre expression, tâter le terrain. Tâter le terrain, ça veut dire en français évaluer, observer attentivement une situation avant d'agir, avant de s'engager. Je répète, évaluer ou observer attentivement une situation avant d'agir, avant de s'engager. Évaluer, يعني تقييم, observer attentivement une situation avant d'agir, يعني مراقبة موقف بعناية قبل التصرف, avant de s'engager, يعني قبل الالتزام. بصفة عامة, tâter le terrain, تعني جس النبض. سأعطيكم مثالا. Bon, ne fais rien maintenant, j'irai demain tâter le terrain auprès d'eux et on verra. Je répète l'exemple. Bon, ne fais rien maintenant, j'irai demain tâter le terrain auprès d'eux et on verra. بالعربية, حسنا لا تفعل شيئا الآن, غدا سأذهب لجس النبض معهم وسنرى. Bon, ne fais rien maintenant, j'irai demain tâter le terrain auprès d'eux et on verra. Ça coûte les yeux de la tête. Je répète, ça coûte les yeux de la tête. On dit aussi c'est pas donné. C'est pas donné, ça veut dire c'est cher. Je répète, c'est cher. يعني بالعربية إنه باهظ الثمن. Donc je répète, ça coûte les yeux de la tête. C'est pas donné, c'est cher. Je vous donne un exemple. Un appartement dans ce quartier, ça coûte
les yeux de la tête. Un appartement dans ce quartier, ça coûte les yeux de la tête. En arabe, un appartement dans ce quartier, يعني شقة في هذا الحي, ça coûte les yeux de la tête. تكلف عيني الرأس ولكن المعنى الحقيقي هي تكلف كثيرا. Donc بالعربية شقة في هذا الحي, عفوا, شقة في هذا الحي تكلف كثيرا. Un appartement dans ce quartier, ça coûte les yeux de la tête. L'expression suivante, jeter un œil. Jeter un œil, ça veut dire yulqi nadra, jeter un œil, regarder rapidement, examiner brièvement. Regarder rapidement, ça veut dire en arabe yandoro bisura. Examiner brièvement, yani yatafahhas bi'ijaz. Brièvement, yani bi'ijaz. Donc je répète, jeter un œil, regarder rapidement, examiner brièvement. Voilà un exemple. Montre-moi ton devoir. Je vais y jeter un œil et éventuellement apporter quelques corrections. Montre-moi ton devoir, je vais y jeter un œil et éventuellement apporter quelques corrections. Je vous explique en arabe. Montre-moi ton devoir. يعني بالعربية أرني واجبك المنزلي. Je vais y jeter un œil. يعني سألقي نظرة. Et éventuellement, معناها وربما apporter quelques corrections أجري بعض التصحيحات. يعني بالعربية أرني واجبك المنزلي سألقي نظرة وربما أجري بعض التصحيحات. Montre-moi ton devoir, je vais y jeter un œil et éventuellement apporter quelques corrections. Un autre exemple. Je vais jeter un œil dehors pour voir si je prends un parapluie. Je répète l'exemple. Je vais jeter un œil dehors pour voir si je prends un parapluie. En arabe. Je vais jeter un œil, ça ulqi nadra, dehors, yani fil kharij, pour voir, li ara, si je prends, ma ida kuntu, sa akhud, un parapluie, midalla. Sa ulqi nadra fil kharij, li ara, ma ida kuntu, sa akhud, midalla. Je vais jeter un œil, dehors, pour voir, si je prends un parapluie. L'expression numéro 3, ça tient debout. Ça tient debout, ça veut dire c'est possible, c'est logique. C'est possible, c'est logique, ça veut dire en arabe, c'est possible, min al-mumkin, c'est logique, innahu mantiqi. Ça tient debout. Je vous donne un exemple. Je pense qu'il n'a pas tort. Son raisonnement tient debout. Je pense qu'il n'a pas tort, son raisonnement tient debout. Je pense qu'il n'a pas tort, ça veut dire en arabe, أعتقدو أنه ليس مخطئاً. Son raisonnement, منطقه, tient debout, منطقه صحيح. Donc en arabe, أعتقدو أنه ليس مخطئاً, منطقه صحيح. Je pense qu'il n'a pas tort, son raisonnement tient debout. L'expression numéro 4, c'est le contraire de l'expression précédente. Ça ne tient pas debout. Je répète, ça ne tient pas debout. Ça veut dire, ce n'est pas logique. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas crédible. Je répète, ce n'est pas logique. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas crédible. هذا عكس ما رأيناه في العبارة رقم 3. Ce n'est pas logique. يعني بالعربية إنه غير منطقي أو غير معقول. Ça n'a pas de sens, يعني بدون معنى. Ce n'est pas crédible, ليس له مصداقية.
Ce n'est pas logique. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas crédible. Voilà un exemple. Quelle histoire ? Il dit n'importe quoi. Ça ne tient pas debout. Quelle histoire ? Il dit n'importe quoi. Ça ne tient pas debout. Je vous explique en arabe. Quelle histoire ? يعني يلها من قصة. Il dit n'importe quoi. إنه يقول أي شيء. Ça ne tient pas debout. يعني إنه غير منطقي. يلها من قصة. إنه يقول أي شيء. إنه غير منطقي. Quelle histoire ? Il dit n'importe quoi. Ça ne tient pas debout. Et la dernière expression ? Compter pour du beurre. Compter pour du beurre, ça veut dire n'avoir aucune importance. N'avoir aucune importance, ça veut dire en arabe laysa lahu ahmiya. Voilà un exemple. La note de sport n'est pas prise en compte dans la moyenne. Elle compte pour du beurre. La note de sport n'est pas prise en compte dans la moyenne. Elle compte pour du beurre. Je vous explique en arabe. La note de sport, يعني نقطة الرياضة, n'est pas prise en compte dans la moyenne. لا تؤخذ بعين الاعتبار في المتوسط, يعني متوسط المعدل. Elle compte pour du beurre, donc ليس لها أهمية. نقطة الرياضة لا تؤخذ بعين الاعتبار في المتوسط, ليس لها أهمية. La note de sport n'est pas prise en compte dans la moyenne. Elle compte pour du beurre. Un autre exemple. Quand je sors avec eux, personne ne me parle. J'ai l'impression que je compte pour du beurre. Je répète l'exemple. Quand je sors avec eux, personne ne me parle. J'ai l'impression que je compte pour du beurre. En arabe, quand je sors avec eux, عندما أخرج معهم, personne ne me parle. لا أحد يتحدث معي. J'ai l'impression, لدي انطباع, que je compte pour du beurre. أنني بدون أهمية أو بدون أهمية. عندما أخرج معهم, لا أحد يتحدث معي. لدي انطباع أنني بدون أهمية أو لست مهما. Quand je sors avec eux, personne ne me parle. J'ai l'impression que je compte pour du beurre. Et voilà, chers amis, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est oui, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu. Abonnez-vous, activez la cloche pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum.